back from the dead. Eh bien salut à tous, c'est Schizofaf, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de mode. Donc aujourd'hui on est sur la marque Caz. Donc j'espère que vous allez tous bien, et moi pour ma part ça va. Donc on va attaquer par le 1255 XL. Donc c'est tous les mêmes séries, là vous avez les différents pneus. Donc rouge jumelé pour l'arrière. Il n'y a pas pour l'avant, hein. Il n'y a aucun bouton pour l'avant. Vous avez soit les roues étroites, soit les roues larges, pardon. Les roues larges, les roues étroites. Les standards, donc on va y faire un petit tour dans le 1255. Vous voyez, il est pas trop mal réalisé, hein. Il est assez sympathique. Ils ont quand même fait quelques détails comme les filtres à gasoil, tout ça. La jauge à huile sur les côtés, pas trop carré, assez arrondi derrière. Donc c'est quand même assez propre, assez design, assez joli. Ça va avec le FS17, c'est quand même propre. L'intérieur est vraiment propre aussi. Je veux dire, bon, même si on n'a pas... L'ATH du tracteur, je trouve ça franchement sympa quand même. Il est vraiment assez joli pour dire que bah, il irait bien sur FS17. Ils sont tous adaptables d'une chargeuse, autant le 1255 que le 1455 que je vais vous présenter après. Donc on va passer un peu sur la fiche technique du 1255, pardon. Donc pour le 1255, bien sûr, vous avez toujours chargeuse avant ou pas, vous avez standard ou arrière jumelé, comme je vous disais, pneus larges, pneus étroits ou standard. Donc sinon, il fait 125 chevaux, il vous coûtera la bagatelle de 92 000 €, qui est quand même un prix qui est pas négligeable. Donc si je vous rappelle, le 1455 XL, donc le petit frère que je vais vous montrer après, il coûte 102 000 quoi. Donc c'est quand même un prix un tout petit peu moins cher pour un tout petit peu de moins de chevaux. Donc pour le 1455, bien sûr, on l'a toujours avec la chargeuse avant, en roue standard, roue arrière jumelée, pneu large, pneu étroit. Ça change pas. La chargeuse avant de disponible, il fera 145 chevaux pour un prix de 102 000. Donc vous voyez, ça reste correct comparé à son petit frère. Le design, je ne l'ai pas trouvé changé. À part le fait qu'ils ont changé... Attendez, hop, je vais remettre les pieds sur terre. À part le fait qu'ils ont changé le numéro. Donc vous voyez, là j'ai enclenché la chargeuse avant dessus. Mais à part ça, niveau design, je vois aucun changement sur le 1455. Donc on va passer à la suite, bien sûr, sur le classe CVX300 Optimium. Donc le classe CVX300, pourquoi je vous le présente, en fait, c'est exactement le même mode qu'on a déjà en officiel. Le seul petit truc qu'il a en plus, que je trouve, voilà, c'est pas si désagréable que ça quand vous faites pas mal de champs de nuit. Et franchement, il est fonctionnel, même les clignotants, vous voyez, les clignotants sont assez fonctionnels, je le trouve assez design. Donc je le trouverais intéressant en transport de remorque pendant une moisson en pleine nuit, ça pourrait être vraiment joli. Après la modélisation, je suppose qu'il a dû changer 2-3 trucs, peut-être 2-3 roskins que j'ai pas encore vu, donc c'est possible que je passe à côté de quelque chose, mais il est vraiment vraiment sympa, je le trouve assez sympathique quoi. Le CVX, hein, donc le 270, il fait 288 chevaux, le 300 fait 313 chevaux. La configuration en roue jumelée, roue étroite ou pneu large ou masse d'équilibrage. Donc ça ne change pas. Vous verrez que je vais essayer de trouver l'autre démon. Voilà. Donc vous voyez, le 270 avec le 300, ça reste pareil. Roue jumelée avec roue étroite, ça reste exactement pareil. Il n'y a que le prix qui pourrait changer, donc... Vous voyez, si je me mets en normal, il coûte 234 000 et je crois que le nôtre coûte moins cher. Donc 234 000, non, il coûte le même prix en plus. Donc c'est vraiment l'histoire des feux en plus, c'est pas forcément le prix qui est attractif ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste les feux. Juste les feux qui vous feront changer un peu la donne ou quoi que ce soit. Après, j'avoue que Class n'a pas vraiment une grande bibliothèque de choix. Dans les tracteurs, hein, j'ai beau parcourir un peu le,
un peu tous les modes qu'il y avait aux alentours. J'en ai pas beaucoup trouvé. Donc je suis désolé si j'ai pas garni un peu plus. Vous avez quand même un joli petit pack de 12,55 et 14,55 avec la petite fumée noire que vous voyez à ma gauche. C'est quand même super bien réalisé, c'est assez mignon. Bon, ça sera un seul lien pour un seul pack complet. Vous aurez les 12,55 et les 14,55 ensemble. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc un petit j'aime, un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine à Schizofaf. Allez, ciao, bonsoir.